The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bon, donc on va commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre dernier webinaire de l'automne qui va porter sur un sujet qui est vraiment intéressant, qui est le dégazage. Un sujet un petit peu plus, je dirais, complexe que ce qu'on vous a habitué jusqu'à maintenant. Donc, on a gardé le meilleur pour la fin. Juste avant de débuter, je profiterai de l'occasion aussi pour vous interpeller si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde.
N'hésitez pas à nous envoyer par courriel vos suggestions. Peut-être que ça va faire l'objet d'un prochain webinaire lors de notre prochaine saison, l'hiver prochain. Donc, mon nom est François Tremblay, puis je vais être votre présentateur pour aujourd'hui. Comme à l'habitude, je vais être accompagné de mon expert régional, Richard Forbes, qui va venir me rejoindre à la fin de la présentation pour une session de questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à nous laisser vos questions dans le chat. On va les adresser à la fin. Donc, le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de présenter une étape essentielle dans tout réseau de vapeur, soit l'étape du dégazage. Il y a plusieurs façons de dégazer le réseau de l'eau d'appoint en chaufferie. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Donc, il y a toute une théorie à bien comprendre pour faire le bon choix d'un système de dégazage en chaufferie. Il y a aussi des conséquences à ne pas bien dégazer. Donc, c'est un peu de tout ça qu'on va venir discuter aujourd'hui. Et juste en passant, avant de commencer, chaque présentation est enregistrée. Donc, ça se peut qu'il y ait des présentations, webinaires que vous avez manquées cet automne. Vous pouvez accéder via notre site web à ces présentations-là qui ont été enregistrées. Si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel, ça va nous faire plaisir de vous envoyer le lien. Donc, allons-y pour ce dernier webinaire de l'automne. Donc, comme à l'habitude, on va prendre une petite minute pour se présenter. Donc, mon collègue Richard Forbes, qui est expert régional chez nous depuis plus de 35 ans, qui agit un peu à titre de mentor là, pour nous dans l'Est du Canada. Comme je dis souvent, on est très chanceux de l'avoir avec nous. Richard a touché à toutes les applications sur la vapeur depuis toutes ces années-là. Donc, c'est un peu ça pour Richard. Moi, dans mon cas, je suis représentant technique chez Spirax Sarco depuis plus de 16 ans. Donc, je couvre beaucoup les marchés hôpitaux et pharmaceutiques et également aussi les bureaux de génie conseil dans le Grand Montréal. Et je donne aussi beaucoup de formations comme je fais aujourd'hui, beaucoup de webinaires et autrefois aussi beaucoup de lunch and learn chez les clients. L'agenda pour aujourd'hui. Donc, on a segmenté la présentation par rapport à quatre principaux sujets qu'on va aborder. Donc, le premier a rapport au principe du dégazage thermique. Donc, on va explorer toute la physique derrière un bon dégazage thermique. Ensuite, on va aborder pourquoi le besoin pour les chaudières, pourquoi on a cette étape-là de dégazage dans une chaufferie. Donc, on va se l'expliquer. Par la suite, les effets. Hein, puis aussi les conséquences là, des gaz incondensables sur le réseau. On va parler de corrosion hein, ou de mauvais échanges thermiques. Donc, toutes sortes de conséquences à ne pas bien dégazer l'eau d'appoint pour les chaudières. Finalement, juste un dernier petit sujet qu'on va aborder rapidement. On l'avait abordé déjà dans un dernier webinaire, qui est l'importance aussi pour les stérilisations d'avoir une vapeur qui est exempte de gaz non condensable. La théorie du dégazage, donc quand on fait un dégazage thermique, hein, parce qu'aujourd'hui c'est bel et bien le dégazage thermique qu'on va surtout parler et non chimique, c'est une technologie qui repose dans le fond sur deux principes principaux. Le premier étant la loi de Henry. Donc je vous avais promis aujourd'hui que ça allait être un petit peu plus compliqué que d'habitude, mais inquiétez-vous pas. Donc, à température constante et à saturation, ce que ça dit, c'est la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression partielle qu'exerce ce gaz sur le liquide. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de la vie de tous les jours, là, pour bien comprendre la loi d'Henry. Le plus bel exemple qu'on a souvent, c'est les fameuses boissons gazeuses, une canette de coke. Là. Quand elle est fermée, à l'intérieur, on sait on a de la liqueur. Puis en surface, il y a un gaz qui est sous pression, du dioxyde de carbone qui pressuriser juste un petit peu plus que la pression atmosphérique. Quand on va venir ouvrir la canette, ce gaz-là va s'échapper, dans le fond, à l'extérieur. Donc, la concentration, la pression partielle en surface de la liqueur va baisser, la concentration de dioxyde de carbone. Puis ça va permettre au gaz de s'échapper de la liqueur. Donc, il va s'échapper, puis même jusqu'à un certain point, si je laisse ma liqueur traîner là, sur le comptoir, là, tout le monde a déjà expérimenté ça, à un certain point, mais la liqueur va même devenir flat. Donc, jusqu'à ce que la concentration dans la liqueur soit à peu près égale à ce qui est dans l'ambiant. Donc, dans le cas d'un dégazeur dans une chaufferie, on va faire ça avec de la vapeur. Donc, en surface, on va venir déplacer, on va venir chasser
tout ce qui est gaz en utilisant de la vapeur. Donc, on va enlever, en surface, enlever l'oxygène, puis déconcentrer, réduire la concentration, ce qui va aider au gaz à sortir de l'eau. C'est un petit peu ça. Puis, la beauté d'utiliser la vapeur, pourquoi on utilise ce gaz-là? Bien, il fait déjà partie de la boucle de vapeur condensée. Donc, on ne vient pas contaminer notre eau d'alimentation en rien. La vapeur va venir même prendre sa place, là, va venir faire partie même de l'eau d'appoint de la chaudière par la suite. Le deuxième phénomène aussi qu'on va avoir dans un dégazage thermique qui se passe en même temps, c'est l'augmentation de température. Donc, on sait qu'il y a vraiment une relation directe entre la quantité d'oxygène et autres gaz dissous par rapport à la température. Donc, plus je vais élever mon eau en température, moins je peux avoir de gaz dissous dans mon eau. Donc, c'est un peu ces deux principes-là qui viennent entrer en action dans un dégazage thermique. Donc, les types de dégazage, comme je vous ai dit aujourd'hui, dégazage chimique, on ne viendra pas vraiment l'aborder. Mais en gros, il est quand même toujours présent. Il faut juste rappeler qu'il est toujours là. Donc, dégazage chimique en chaufferie va être fait avec des désoxygénants et des sulfites. Donc, il va être présent plus ou moins, dépendamment si j'ai un dégazeur pressurisé ou si j'ai juste un réservoir d'eau d'appoint, je vais avoir besoin de plus ou moins de chimiques pour venir enlever mon oxygène dans l'eau. En fait, le but, c'est d'essayer de le moins possible d'utiliser les chimiques, surtout dans les grosses installations où ça devient plus rentable d'y aller avec du thermique ou du mécanique et thermique. Donc, la deuxième catégorie, j'y arrive, qui est le dégazage thermique. C'est notre fameux réservoir de condensat typique qu'on a dans chaque chaufferie. Donc, ceux qui sont à leur premier pas là, avec la vapeur, donc je réexplique, là, il y a un réservoir de condensat principal dans chaque chaufferie qui vient récupérer tous les retours de condensat qu'il y a sur le réseau. Donc, ce réservoir-là, bien, il y a un évent, il est à l'atmosphère. Ce qu'on va faire, typiquement, on va venir le préchauffer en injectant de la vapeur dedans. Donc, on va faire monter l'eau typiquement à peu près à 185 degrés. Maximum 190-200 degrés, parce qu'on est quand même limité, autant physiquement que mécaniquement. Physiquement, parce qu'un réservoir, on ne veut pas qu'il est à l'atmosphère. Donc, je ne peux pas monter en haut de 100 degrés Celsius ou 212 degrés. Et également mécaniquement, parce que je ne veux pas, si mon eau est trop chaude à un certain moment, ben, je peux mécaniquement faire caviter mes pompes d'alimentation de chaudière. C'est un petit peu limité à ce point-là. Puis ce que ça fait, ben, mon dégazage, ben, typiquement, je peux atteindre dans le meilleur des cas, on va parler de 1 à 2 ppm, donc parties par million d'oxygène. C'est un petit peu limité comme dégazage. Donc, surtout dans les petites applications, petites capacités, réseau basse pression. Donc, c'est là qu'on va voir surtout ce type de réservoir-là seul. L'autre chose, c'est le réservoir mécanique et thermique. Donc là, ce qui va arriver parfois, c'est qu'on va avoir le réservoir de condensat, puis en plus, on va rajouter un deuxième réservoir qui, lui, va être pressurisé. Donc, notre fameux dégazage thermique qu'on parlait dans la diapo précédente. Donc, on va venir, en plus de chauffer l'eau jusqu'à une certaine température, on va venir même briser l'eau en fines gouttelettes qu'on l'alimente dans le dégazeur, entre guillemets. Donc, on va avoir des buses d'atomisation pour réduire l'eau en fines gouttelettes. On va avoir des plateaux pour venir casser l'eau en fines gouttelettes puis avoir le plus possible de surface d'exposition par rapport à la vapeur. On va venir également pressuriser, comme je vous disais, le réservoir, donc 3 à 5 PS typiquement. Vous voyez les températures 2,22 à 2,27. On va voir tantôt là, sur la courbe de concentration d'oxygène, de solubilité. Donc, plus je vais être haut en température, plus ça va me permettre de descendre justement au niveau de la concentration, d'atteindre le fameux objectif là, qui est le standard là, que tout le monde essaie d'avoir dans sa chaufferie, le 7 ppb. Donc, B pour billion, là, c'est parti par milliard. Donc, tantôt, on voyait le réservoir de condensat parti par million, parti par milliard. Donc, on parle d'un facteur de plus que 1000 là, entre les deux. Puis, finalement, dernier principe mécanique. On en a parlé dans les précédents webinaires, je ne veux pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais on parle surtout sur des petits purgeurs thermostatiques qu'on va avoir partout sur le réseau de vapeur pour enlever l'air. C'est pas parce qu'on a des gazeurs qui vont devenir inutiles, ils ont quand même encore leur utilité, par exemple au démarrage. Donc, quand mon réseau de vapeur est à l'arrêt, ben, je ne veux pas les lignes qui sont remplies d'air, donc ça va aider au démarrage à bien évacuer dans les tuyauteries.
Et puis aussi, s'il y a de l'oxygène dans les points hauts, le résiduel, là, ça va nous aider à enlever ça. Mais ce n'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Le réservoir condensat, le réservoir dont je vous ai parlé, atmosphérique, donc lui, c'est un peu le point de rencontre donc entre notre eau froide, ou on peut dire l'eau d'appoint, parce qu'il y a toujours des pertes dans un réseau de condensat et de vapeur, par les évents, par rapport de l'injection. Donc, ça prend du make-up, ça prend de l'eau d'appoint. Donc, on va venir se rencontrer à cet endroit-là, les retours de condensat. Et puis également aussi la vapeur de vaporisation qui va cheminer avec le condensat jusqu'au réservoir. C'est un petit peu le premier rôle. Deuxième rôle, bien, c'est un rôle, comme on l'expliquait, de réchauffage. Donc, éliminer l'oxygène, certains gaz incondensables. Éviter aussi les chocs thermiques dans la chaudière. Donc, c'est sûr que je ne veux pas envoyer de l'eau froide, moi, dans une chaudière à vapeur. Donc, ça va causer des problèmes mécaniquement. Donc, je vais avoir une eau qui est la plus chaude possible. Puis aussi optimiser la chaudière. C'est sûr que les capacités des chaudières sont calculées à 212 degrés, 100 degrés Celsius. C'est sûr que si le plus près je vais me rapprocher de cette température-là, bien, le plus de capacité je vais aller chercher au niveau de ma chaudière. Puis la réserve d'eau, on parle typiquement après 15-20 minutes. Donc, il faut que le réservoir ait la capacité tampon là, pour les pointes de consommation. Il faut qu'il y ait une certaine réserve. Il faut qu'il soit capable de prendre ça. Si le réservoir est trop, moi je peux dire short là, en termes de volume, on peut avoir des problèmes. Il faut qu'il y ait une certaine capacité de tampon pour prendre des demandes, des pointes soudaines. L'injection de vapeur, comment ça se passe? Donc, ces réservoirs-là, souvent, vous allez voir sur le côté, là, il y a une ligne de vapeur qui rentre dans le réservoir. Puis à l'intérieur, bien, il y a un injecteur de vapeur. Donc, on le voit ici, l'injecteur. L'injecteur, ça va être soit un tuyau perforé ou un sparge pipe, comme on dit dans le bon jargon, ou on va utiliser de façon plus moderne de maintenant, là, beaucoup des têtes qui sont un peu des têtes de mélange en même temps. Donc, ce que ces têtes-là vont venir faire, c'est qu'ils vont venir un peu prémélanger la vapeur et l'eau avant qu'elle entre dans le réservoir pour éviter justement la vibration, les chocs thermiques, hein, parce que je veux pas, j'envoie des bulles de vapeur dans de l'eau, ça va créer des genres de chocs thermiques qui vont créer de la vibration. Donc, ça va empêcher ça, ces injecteurs-là. Donc, il y a une espèce d'effet Venturi qui vient faire rentrer l'eau par les orifices sur le pourtour, qui va prémélanger avant que ce soit injecté. Donc, je vais avoir de l'eau chaude au lieu d'avoir de la vapeur qui rentre directement dans mon réservoir. Les autres accessoires, mais là, en ce cas-ci, c'est vraiment là, à sa plus simple expression, une vanne thermostatique avec un capillaire qui vient prendre la température pour faire moduler la vanne. Ça pourrait être aussi une vanne de contrôle avec une sonde électronique. Là. Donc, les deux se font, sont aussi fréquents l'un que l'autre dans l'industrie. On va mettre un casse vide également pour moindrement, il y a un vide qui se crée dans la ligne pour éviter qu'il y ait de l'eau qui remonte dans la ligne d'alimentation. Donc, ce qui était surtout à retenir là-dessus, c'est que parfois, on les voit fermés aussi, ces injecteurs-là. Là, on arrive dans une chaufferie, puis le réservoir est à 140 degrés, 150. Bien, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Premièrement, bien, vous allez augmenter la consommation chimique dans votre réservoir. Il va y avoir des problèmes de corrosion. Aussi, votre chaudière aussi, c'est pas bon d'alimenter avec de l'eau qui est plus tiède, là, qui est plus froide, là, entre guillemets. Donc, c'est vraiment là, de prime importance de toujours maintenir une certaine température dans le réservoir d'alimentation pour éviter tous ces problèmes-là. Température versus oxygène dissous. Donc, je vous en ai parlé brièvement. Donc, il y a vraiment une relation intime entre la température et la quantité d'oxygène qu'il y a de dissous dans l'eau. Donc là, ici, on voit là, dans le bas, là, la courbe va jusqu'à 100 degrés C. Donc, vous voyez ici, là, mettons, je prends mon réservoir atmosphérique dont on vient de parler, là, je vais chauffer jusqu'à, ben là, on parlait de, mettons, 85 degrés Celsius, je vais parler en unité métrique. Vous voyez, je ne peux pas éliminer tout l'oxygène, c'est physiquement impossible, là. Donc, il va toujours rester un minimum. Tantôt, on parlait de 1 à 2 là, ppm, parties par million. Donc, ce que ça va faire, ben, c'est sûr que ça va prendre une certaine quantité de chimique pour revenir éliminer cet oxygène-là qui est résiduel. Donc, plus que si j'aurais, par exemple, si j'avais un réservoir pressurisé là, en vapeur, un dégazeur thermique. Parlons-en du dégazeur thermique sous pression, qui est, je dirais, au-delà d'une certaine capacité, là, si on veut vraiment là, atteindre là, la
je dirais, la norme d'excellence, là, qui est le 7 par PPB, partie par milliard, qui est vraiment essentielle, qui est impossible à atteindre si on n'utilise pas de chimique. En dehors de ça, c'est la seule autre manière d'atteindre cette norme-là. Donc, permet d'obtenir une eau d'excellente qualité avec notre contenu inférieur à 7 ppb en oxygène. Typiquement, il y a une colonne de dégazage qui est montée sur le dessus du réservoir. Donc, vous voyez l'image à gauche, là, on voit un petit peu là, l'espèce de tête qui est sur le dessus. Et à droite, on voit un peu l'intérieur. Donc, c'est vraiment là-dedans que la magie opère, là, que la majorité du dégazage se fait. Donc, dans cette tête-là, typiquement, il va y avoir une buse qui va venir injecter l'eau. Donc, comme je dis, vraiment casser en fines gouttelettes, faire un film, un mince film d'eau qui va augmenter la surface en contact avec la vapeur, qui va vraiment aider au dégazage. Puis ce qu'on va voir, même tantôt, on va en parler des différents types de dégazeurs. Parfois, il va y avoir des plateaux aussi par la suite dans la tête qui vont revenir encore casser encore plus les gouttelettes puis augmenter le temps de transit dans la tête puis améliorer le dégazage. C'est dans cette tête-là aussi qu'on va venir souvent injecter la vapeur qui va venir à contre-courant avec l'eau entrer en contact. Donc, puis la bâche, qu'on ne la voit pas sur l'image ici, on la voit sur la gauche, qui est située à la base du dégazeur, sert aussi à alimenter une alimentation en continu. Ça prend une bonne réserve là, d'eau dégazée pour alimenter les chaudières, comme je disais tantôt, par des fluctuations. Donc, c'est vrai aussi pour le dégazeur. Puis là où il va être situé, le dégazeur, c'est pour vous mettre un peu en contexte. C'est sûr que si un dégazeur, souvent, je vais quand même avoir le réservoir atmosphérique de condensat qui, lui, va être en amont. Donc, je vais avoir mon condensat qui va retourner à mon réservoir atmosphérique. Lui va venir pomper dans mon dégazeur. C'est mon dégazeur, par la suite, qui va venir alimenter les bouilloires. Puis le dégazeur, il va être monté, disposé souvent sur une base avec une certaine élévation minimum, justement pour éviter que les pompes cavitent, parce que là-dedans, je vais être à 3-5 PSI. Donc, tantôt, on parlait d'environ 225 degrés Fahrenheit. Donc, on est à haute température. Donc, ça prend, pour éviter que les pompes cavitent, ça prend une certaine tête là, en amont. Donc, il faut que les réservoirs soient surélevés. Dans l'image qu'on voit, on voit souvent cette configuration-là. Donc, il est directement déposé sur une mezzanine, le dégazeur. Même en bas de la mezzanine, on descend d'un étage, c'est là que les pompes vont être. L'autre chose qu'on va voir, si le réservoir et les pompes sont sur le même plancher, bien, comme on dit dans le texte qui est là, bien, ça va être monté sur une base. Donc, les pompes vont être montées directement dessus sur une base. C'est les deux configurations qu'on va voir là, la plupart du temps sur un réseau. Donc, notre but, là, vraiment, la norme d'excellence, là, c'est de venir atteindre vraiment notre 7 ppb là, en allant au-delà là, du 100 degrés Celsius, puis aussi en venant agiter l'eau hein, dans le dégazeur avec de l'injection de vapeur, puis en cassant aussi les bulles avec des plateaux et avec de l'atomisation. C'est seulement avec un dégazeur qu'on peut venir atteindre cette norme-là de 7 parties par milliard. Puis ça se fait aussi en un temps vraiment record. Là, l'eau de la ville peut contenir 10 à 15 ppm d'oxygène. Puis ce taux-là se réduit là en quelques secondes. Donc, on parle d'une réduction de 3000 fois la quantité d'oxygène dans l'eau. Donc, ça se fait très, très rapidement. Donc, une question aussi de design avec la tête de dégazage, le temps de transit. Donc, ça se fait très rapidement. Puis, il y a toute une science également derrière ça. Là. Parlons-en de ces principes-là. Donc, il y a deux principaux types de dégazeurs sur le marché. Donc, qu'on appelle le dégazeur à vaporisation ou à pulvérisation, donc un spray type, c'est souvent le terme qu'on va utiliser, un spray type. Donc, l'eau froide, elle est simplement pulvérisée par un diffuseur dans le réservoir de stockage d'eau. Donc, c'est tout ce que j'ai. J'ai une buse, je pulvérise l'eau. En pulvérisant l'eau, comme j'ai dit, on augmente la surface de contact, puis ça l'aide au dégazage. Deuxième principe, dégazage à plateau, qui est vraiment là, souvent, il va venir de pair aussi avec la buse d'injection. On va venir mettre les deux aussi en même temps, soit la buse puis les plateaux. Donc, en plus d'avoir cette atomisation-là, l'eau par la suite va devoir suivre un chemin là, sur différents plateaux perforés. Et puis là, l'eau va faire un chemin puis ça va augmenter le temps justement dans la tête puis vraiment améliorer aussi la surface de contact puis le temps d'extraction d'oxygène. Et puis, ça va me permettre d'atteindre justement notre fameuse norme de 7 ppb là, en bout de ligne.
Et puis, c'est pas, tu sais, je vous dirais, c'est pas simplement nous qui l'a dit. On va revenir plus loin que les normes là, de l'ABMA, l'American Border Manufacturer Association. Donc, ça prend vraiment le combo des deux, là, le spray et le trait pour venir atteindre la norme. Le spray est pas suffisant en lui-même, tout seul, pour atteindre le 7 parties par milliard. Donc, ça prend vraiment là. Les plateaux là, en plus du spray pour atteindre cette norme-là d'excellence. Spray type, juste rapidement, là, le principe de base, donc plus haut d'alimentation dans le dégazeur va venir être atomisé. Et puis, cette eau-là va venir entrer, dans le fond, ces fines gouttelettes-là vont entrer en contact avec la vapeur là, qui est dans le dégazeur, on alimente la vapeur. Puis ça, ici, va avoir on dit un blanket, va avoir une couverture de vapeur. Donc, ça va venir entrer en contact avec l'eau ici. Fait qu'on est dans la zone ici de préchauffage, dégazage. Donc, il y a une partie de l'air qui va venir être évacuée par les vents, qui va suivre le chemin avec la vapeur. Et puis, par la suite, on a une deuxième zone ici qui est la zone de déaération, donc de dégazage. Donc, l'eau va rester là un certain temps. J'injecte la vapeur dans l'eau. Et puis, la vapeur en chauffant les bulles de vapeur, puis l'air va suivre le chemin pour sortir de l'eau, puis venir également être dégazé, puis sortir à l'extérieur. Puis là, en bas ici, je vais venir récupérer mon eau dégazée, puis venir alimenter, ma bouilloire, à vapeur. Juste une petite note ici au niveau de l'évent. Donc, ça, ce n'est pas un évent qui est ouvert là, directement à l'atmosphère, là, sans contrôle. Au niveau de l'évent, typiquement, on va trouver souvent un orifice. Donc, il va y avoir un orifice dans l'évent ou souvent une valve qui va être craquée, juste pour faire sortir la bonne quantité de gaz, de mélange gaz-vapeur. On parle typiquement près d'un 1% là, de perte sur un dégazeur, là, qui est une bonne norme là, pour la quantité de vapeur là, qui est perdue pour faire le dégazage en tant que tel. Deuxième principe, qui est principe peut-être nous intéresse plus qu'à plateau. Donc, je vais avoir mon eau d'alimentation, je vais injecter mon eau avec travers peut-être une série de buses, une buse ou une série de buses. Là, ici, je vais avoir une série de plateaux là, perforés, puis mon eau va descendre à travers ces plateaux-là, puis en descendant, elle va venir entrer en contact avec la vapeur de dégazage, donc qui va permettre de descendre la quantité d'oxygène. L'oxygène va se séparer, puis les gaz, l'oxygène et les gaz vont se séparer de l'eau. Puis venir être sorti par les vents dans le haut de la tête. Par la suite, bien, on tombe dans le réservoir du dégazeur. Puis, il y a une deuxième alimentation ici qui est par injection, qui va créer certaines turbulences aussi dans l'eau. Hein. Il faut brasser l'eau pour permettre aussi de bien dégazer. Donc, l'oxygène qui peut rester ou le gaz va monter en surface puis également ressortir de l'eau. Donc, c'est vraiment, comme je disais, je le répéterai jamais assez, essentiel pour venir atteindre la norme là, requise de 7 ppb. Le type à plateau est vraiment essentiel là, pour atteindre cette norme-là. Au niveau de la construction, on va justement regarder pour une réserve de près de 10 minutes, justement, pour prendre justement les points. Puis on veut une stabilité là, au niveau du dégazeur. On ne veut pas que s'il y a une pointe de consommation, avoir à vider le dégazeur peut-être d'un coup, puis il y a plein d'eau fraîche qui rentre dedans, d'eau d'appoint qui rentre dedans d'un coup, qui va déstabiliser. Donc, ça prend une certaine réserve pour que ça reste stable dans le dégazeur. On va avoir des vannes de sûreté aussi. Ça devient un réservoir qui est pressurisant, entre guillemets. Fait qu'on va avoir des vannes de sûreté. On en voit une là, en haut ici à gauche pour protéger le réservoir. Même aussi parfois des vannes de surplus. Hein, ça peut arriver des fois que les gens utilisent le dégazeur pour venir récupérer le flash. Donc, j'ai beaucoup de flash dans mon réseau. Je retourne ça directement au dégazeur pour faire un réseau fermé. Bien, ça peut arriver des fois que j'ai trop de flash par rapport à aux besoins du dégazeur. Donc, on va se rajouter des vannes de surplus pour évacuer à l'extérieur l'excédent, malheureusement, s'il n'y a pas assez de consommation au niveau du dégazeur. On va les dimensionner pour 100% de capacité d'eau fraîche. Donc, il faut que dans tous les scénarios, le dégazeur puisse alimenter les chaudières, même si j'ai pas de retour, là. Il faut que je puisse prendre 100% d'eau fraîche au niveau de l'alimentation. Au niveau du fonctionnement, on va rester entre 3 à 5 PSI, donc des pressions relativement basses. On veut pas opérer à trop haute pression sur un dégazeur. Donc, tu sais, des fois, on voit les gens qui vont augmenter la pression là, dans le dégazeur. Mais en fait, c'est inefficace. On va augmenter la perte au niveau de l'évent, la perte de vapeur. Donc,
vraiment essayer le plus possible d'opérer 3 à 5 PSI. C'est amplement suffisant là, pour faire un bon dégazage si le dégazeur est bien designé. Puis l'objectif de tout ça, ça reste encore bien, notre fameux taux de 7 parties par milliard. Les composantes typiques sur un dégazeur, donc on va avoir notre tête sur le dessus dont on a déjà discuté. Les retours de condensat vont venir se rencontrer là avec notre vapeur, comment dire, notre vapeur de dégazage qui va venir rentrer aussi ici dans la tête ou dans le bas de la tête. Ce qui est particulier un peu ici, là, on a l'eau d'appoint qui rentre dans la tête aussi. Ça, c'est normal. Mais ce qui est particulier, on a ici un récupérateur d'évent. Donc, ça, c'est de plus en plus, là, on va venir récupérer la chaleur, la plume, l'espèce de plume de vapeur qui sort avec les gaz. Bien, avant de l'envoyer à l'extérieur, on va l'intercepter, puis on va préchauffer l'eau d'appoint, l'eau de méca, avec cette plume de vapeur-là. Donc, ça peut être très intéressant. Puis, c'est des systèmes qui sont 100% mécaniques. Là. Il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus. C'est juste un échangeur de chaleur, donc très facile à mettre en place. On va avoir aussi une autre valve de contrôle ici, une autre alimentation de vapeur pour l'injection. Hein, comme je disais tantôt, l'eau qui est dans le réservoir en tant que tel, on va venir injecter de la vapeur dans l'eau pour maintenir la bonne température, pour aussi créer aussi même de l'agitation. Puis vous voyez aussi chimique, ben tu sais, on se fait pas de cachette là. C'est sûr qu'avec un dégazeur, on va réduire à sa plus simple expression la consommation de chimique, mais il reste quand même un petit trait chaud de résiduel de gaz dans l'eau. Fait que ça prend quand même une très faible quantité quand même là, de chimique juste pour ramener ça vraiment à zéro avant d'aller à la chaudière. Donc, c'est les composantes typiques sur un dégazeur. Les éléments clés pour un bon dégazage, bien écoutez, c'est pas nous qui les inventent. Là, ça vient de l'ABMA, l'American Boiler Manufacturer Association. Donc, il y a 6 principaux critères qu'il faut regarder. Le premier critère qui est vraiment le principal facteur là, qui est la température. Donc, c'est vraiment important d'avoir une température qui est constante et stable dans le dégazeur. Ce qu'on va voir souvent, c'est qu'il va y avoir un contrôle sur la pression au niveau des dégazeurs, mais de plus en plus, les gens vont venir monitorer aussi la température parce qu'on sait que, oui, la pression versus température vapeur est reliée. Mais on peut avoir un mélange avec l'air et tout, ben on peut avoir une certaine pression, pas nécessairement avoir la température. Donc, c'est important de monitorer les deux. C'est important aussi d'avoir, si on a mis vanne de contrôle de pression, souvent les gens vont venir mettre un régulateur, simplement un régulateur mécanique pour venir réguler la pression dans les gazeurs. Quand souvent les turn-down, les ratios de débit sont très élevés, les variations, on a besoin d'une stabilité, c'est très important d'avoir une stabilité. Donc, tu sais, faites-vous une faveur, là, mettez-vous une bonne vanne de contrôle, là, sur le contrôle de pression du dégazeur pour avoir cette stabilité-là, puis un bon contrôle, puis une bonne température. La turbulence aussi est importante. On a parlé tantôt de l'injection, justement, pour faire monter les bulles d'air à la surface. Donc, un brassage vigoureux de l'eau est important. Le film, donc ça va être obtenu. On parlait tantôt de l'injection qui fait un genre de cône avec un film d'eau qui va augmenter la surface de contact avec la vapeur, puis qui va aider au dégazage. Comment réduire le film d'eau ou avec des plateaux, très important pour le dégazage. Le temps aussi, donc en théorie, plus le dôme est long, plus l'étape est longue. Donc, avoir un bon... on disait que ça se fait en quelques secondes, le dégazage, mais quand même, il faut avoir le temps de bien dégazer avant que l'eau ait descendu. Ventilation, donc des fois, ça, c'est un bon moyen qualitatif de voir bon, si j'ai trop de pertes ou pas assez de pertes sur mon dégazeur. On va souvent parler de plumes entre 18 et 24 pouces au-dessus de l'évent. Donc, une petite norme à essayer de ne pas dépasser. Plus haut que ça, ça veut dire peut-être que j'évacue trop de vapeur par rapport à mon besoin de dégazage. Donc, ça, c'est vraiment à vérifier pour l'efficacité du dégazeur. Puis la stabilité, bien, mon dégazeur doit être capable de réagir rapidement sur un apport d'eau. Donc, avoir des bons contrôles de niveau. Puis avoir surtout une stabilité. Donc, je ne veux pas qu'à chaque fois que j'envoie de l'eau dans mon dégazeur, ou un retour de condensat, que whoop, ma pression chute ou que mon niveau d'eau se mette à fluctuer grandement. Je veux vraiment le plus possible que ça soit stable. Donc, la stabilité est très importante au niveau d'un dégazeur. Comment justifier un dégazeur en chaufferie? Une des premières choses souvent qu'on va regarder, c'est les retours de condensat sous pression, réduction de perte de flash.
Dans certains cas, c'est possible de venir fermer le réseau. Donc, d'un fond, on ne sait pas où envoyer le flash. Une des bonnes applications, souvent, c'est la récupération des purges de chaudière. Donc, je récupère le flash des purges de chaudière et puis j'envoie ça au dégazeur. Donc, ça donne bien. Si ma chaudière repère qu'elle a des purges, bien, le dégazeur, souvent, ça va de pair. Les deux fonctionnent en même temps. J'ai toujours un utilisateur pour ça. Même dans certains cas, les gens vont même prendre les retours du réseau en tant que tel, vont venir pressuriser leur retour et récupérer le flash. Donc, il y a toutes sortes de précautions à prendre avant de faire ça. Mais juste garder en tête, ça peut être une possibilité dans certains cas. Réduction des purges de chaudière. Ben, c'est sûr que si on parle de réduction de produits chimiques, qui est le troisième item, mais si j'ai moins de produits chimiques, je vais avoir besoin de moins déconcentrer aussi ma chaudière par la suite. On y pense pas des fois. Il y a le payback au niveau des produits chimiques quand on vient faire du dégazage thermique. Puis par la suite, il y a le payback aussi au niveau des purges de chaudière. Pour prendre les deux en considération, je réduis les purges aussi en faisant du dégazage thermique. Pour ça, souvent, sur des installations au-delà de 300 HP, on a des très bons paybacks sur des dégazeurs thermiques. Augmentation de la durée de vie des chaudières et des équipements. Bien, c'est sûr, j'ai pas d'oxygène, pas de corrosion, moins de choc thermique. J'ai une eau à plus haute température pour l'augmentation. Même au niveau de la performance des chaudières, une meilleure stabilité de l'eau qui est plus chaude. Hein. Puis généralement, les applications, comme je disais, 300 HP et plus, même dans certains cas, des plus petites capacités, ça peut être applicable, notamment dans les cas où j'ai de la très haute pression. Donc, c'est plus critique d'avoir un niveau de gaz dissous bas. Donc, même dans ces cas-là, pour des petits HP, ça peut être requis d'avoir un dégazeur. Puis là aussi, si j'ai beaucoup d'eau fraîche, donc plus j'ai d'eau fraîche, bien, plus j'ai d'eau à traiter. Donc, c'est sûr que là, le rendement va de pair avec le dégazeur thermique si j'ai beaucoup de mes cas. Les conséquences de la corrosion, bien, il y a deux principaux gaz qu'on essaie d'éliminer, c'est l'oxygène puis le dioxyde de carbone. Si j'élimine pas mon oxygène, bien, l'oxygène réagit avec l'acier. Il va entraîner une corrosion localisée. Donc, corrosion par piqûre, donc dans la tuyauterie puis dans les équipements. Puis le dioxyde de carbone, il va former de l'acide carbonique, donc il va oxyder les conduites. Donc, on a des exemples ici de photos. Donc, vraiment, c'est les deux gaz principaux qu'on essaie d'éliminer, qui sont nos deux ennemis, là, qu'on essaie d'éliminer, qui ont fait du dégazage. Il y a aussi des conséquences pour l'échange thermique. Tous mes échangeurs thermiques, serpentins, etc., donc, si j'ai de l'air sur mes surfaces de chauffe, c'est sûr que je réduis mon efficacité d'échange thermique. Donc, on a un exemple ici, une couche d'air là, d'un millimètre d'épaisseur a le même effet d'isolation qu'un mur de cuivre de 15 mètres d'épaisseur. Donc, c'est facile à comprendre qu'il faut venir enlever l'air là, dans le système. Donc, le moins je vais amener l'air aux échangeurs, bien, c'est sûr qu'en bouling, on peut installer des purgeurs d'air mécaniques, mais ça a une efficacité quand même limitée. Donc, plus possible, je vais venir enlever l'air à la chaufferie. Donc, le mieux, on va se porter par la suite au niveau des échanges thermiques. Le plus, ça va être facile à enlever dans le système. Échangeur préchaud, ben, j'ai un petit peu abordé le sujet au préalable. Donc, sauf qu'ici, on a une photo sur la droite. Là, on voit sur l'évent du dégazeur, on a rajouté le fameux échangeur. Vous voyez, c'est très, très simple. On vient intercepter, on a coupé l'évent, on met cet échangeur-là. Et puis, on préchauffe de l'eau d'appoint. La vapeur et les gaz chauds passent d'un côté. Et puis, de l'autre côté, ben, je préchauffe mon eau d'appoint gratuitement. Donc, c'est de la chaleur qui serait perdue autrement à l'extérieur. De plus en plus, on va venir recommander ces condenseurs d'évent-là sur les dégazeurs. On voit ici un résultat final, une chaudière de 3200 BHP. C'est pas petit, là, en passant, 3200 BHP, là, c'est une grosse chaufferie. On élimine la plume pratiquement à zéro là, de vapeur. C'est un exemple, juste pour vous dire qu'il y a des moyens, on est capable de faire un bilan de masse, un bilan thermique, de calculer justement combien exactement en ayant les paramètres de base, on est capable de venir calculer c'est quoi le payback qu'on va avoir sur ce type d'évent-là. Donc, ça se calcule très, très bien. Tantôt, je parlais à peu près 1% là, c'est de perte de vapeur sur le dégazeur typique, là, c'est de la vapeur. Donc, on peut faire un bilan de masse assez rapide avec le besoin d'eau d'appoint puis venir associer un dollar là, à ces pertes-là.
tests de validation très, très, très négligés dans le marché. Les gens vont prendre pour acquis souvent que les dégazeurs, bon, c'est un équipement qui est dans le fond de la chaufferie. Les gens ne veulent pas trop y toucher tant que ça s'opère, tant que les pompes pompent de l'eau aux chaudières, tant que la pression est stable au niveau du dégazeur, on ne se pose pas trop de questions. Je vous inviterais à faire un test. Donc, les compagnies de chimiques, toutes les compagnies de traitement chimique, traitement d'eau, sont aptes à faire ce genre de test-là. Donc, sur certaines conditions, on va venir prendre un échantillon d'eau à la sortie du dégazeur. Donc, on va demander pendant un certain temps de ne pas traiter chimiquement l'eau. Puis là, on va venir faire un test pour tester l'efficacité du dégazeur. Donc, on devrait avoir 7 ppb, entre guillemets. Je peux vous dire, pour la plupart des dégazeurs qui sont installés là, depuis 20, 25 ans, 30 ans, qui sont encore là dans la chaufferie, puis les gens ne se sont pas trop posés de questions, bien, le site ppb, on est loin de là. C'est pas rare, on a du 30, 40, 50 ppb et même plus. C'est pas une rareté. On ne veut pas avec le temps, bien, on a toutes sortes d'inefficacités qui peuvent se passer au niveau du dégazeur. Donc, tu sais, la buse peut avoir érodé avec le temps. Donc, on n'a pas une aussi bonne atomisation. Les plateaux, des fois, on voit des plateaux qui sont effondrés là, dans le dégazeur. Ça peut être aussi un mauvais contrôle au niveau de la pression. Donc, toutes ces choses-là, ça va allumer des voyants lumineux là, si vous venez faire ce test-là. Par la suite, bon, on peut vous aider là, à vous guider par la suite là, vers une bonne solution de correctif ou même une nouvelle solution de dégazage. Dernier petit sujet, juste avant de terminer, puis on l'a abordé dans notre webinaire en passant sur la qualité de vapeur, mais on trouvait que ça fait aussi partie du dégazage en général, qui est le dégazage en stérilisation. C'est un sujet qui revient de plus en plus. Là, il y a une nouvelle norme, il y a une norme CSA là, qui demande un contenu là, en gaz non condensable dans la vapeur propre qui va alimenter les stérilisateurs dans les hôpitaux, donc plus petit que 3,5 donc par rapport au volume de vapeur. Donc, c'est important dans ce cas-là également de venir dégazer. Il y a toutes sortes il y a des systèmes qui existent, dont maintenant, il se fait des têtes de dégazage, un peu comme un dégazeur qu'on vient de discuter en chaufferie, mais sur des générateurs de vapeur propre. Donc, on va venir dégazer à même le générateur de vapeur propre, l'eau d'appoint. Donc, tout va se faire dans la tête ici, puis c'est vraiment intégré au générateur. L'autre principe qui peut être fait également, qui existe, c'est les réservoirs d'appoint. Comme vous avez vu un peu les réservoirs atmosphériques qu'on a parlé au début, on part un petit réservoir de préchauffe aussi à côté. Seul petit inconvénient, peut-être au niveau de l'efficacité du dégazage, oui, on l'a vu, mais aussi peut-être au niveau aussi de l'empreinte au sol. Là. Ça prend plus d'empreinte au sol d'avoir un réservoir de préchauffe, plus de composantes. Donc, il y a une belle simplicité là, à venir y aller avec ces têtes de dégazage-là. Donc, très important là, pour les normes, la norme CSA. Donc, on stérilise des instruments dans les hôpitaux, dans les stérilisateurs. Donc, si j'ai de l'air, on l'a vu, l'air est un isolant. Donc, je pars de l'air qui va venir impérer, là, dans le fond, au contact de la vapeur avec les instruments. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, peut-être à aller consulter notre séminaire, notre webinaire enregistré là, sur la vapeur propre pour la stérilisation. Donc, c'est ça qui va venir mettre fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais inviter Richard peut-être à venir se joindre à moi pour répondre aux questions de nos invités. Donc, Richard, est-ce que tu es là? Oui, bon matin à tous. Bonjour. Tu m'entends bien, François? Oui, je t'entends très bien, Richard. Merci. Ben, merci de la présentation, François. C'était très intéressant. Je vais juste rajouter, François, qu'on oublie souvent l'importance du dégazeur. On l'oublie d'une certaine façon, qu'on essaie souvent de le financer sur une période de temps qui est un peu trop courte souvent, fait qu'on oublie vraiment les avantages à long terme du dégazeur, outre les produits chimiques. C'est un équipement qui va durer aussi longtemps que la chaudière, entre autres, des périodes de 25-30 ans. Fait que, ce qui n'est jamais calculé ou pas beaucoup calculé, c'est l'entretien que dû à la corrosion sous les réseaux de vapeur complets, que ça va aussi diminuer. On va réduire la quantité d'entretien qu'on va émettre. On réduit les purges, comme tu disais. C'est un grand effet sur le transfert de chaleur, sur les échanges thermiques, là, que tu nous as parlé un peu au début, mais c'est oui, c'est un effet, c'est des équipements. C'est des choses qui ne sont pas intangibles, là, fait que, puis surtout le choix aussi de dégazeur, là, d'associer un bon dégazeur. Il y a différents types de dégazeurs économiques, oui, selon le budget, bien entendu, mais
pour vérifier, s'assurer qu'on utilise le bon dégradeur ou notre équipement aussi. Là. Okay. Je voulais juste rajouter ça, François. Oui, j'ai une question, j'ai quelques questions intéressantes. Une qui, on parle plus de dégradeur, mais on parle du réservoir de condensat de ma chaufferie. Pourquoi que mon overflow ou mon trop-plein déborde, François? Ben, il y a peut-être quelques petits pistes de solutions que je vais vous discuter ou vous mentionner. Premièrement, est-ce que le réservoir est trop petit? Ça peut être une des pistes de solutions. Souvent, il faut considérer à peu près un gallon par HP. Fait que c'est une chaudière de 200 HP. Prendrait typiquement un réservoir de 200 gallons qui donne environ 15 minutes de réserve. Ça, c'est une chose à valider. Ça, on rencontre souvent des réservoirs qui sont trop petits. On peut aussi voir s'il n'y a pas des fuites de vapeur qui viennent pressuriser notre réservoir de condensat. Si on ne fait pas d'inspection des trappes à vapeur, à ce moment-là, le réservoir va bien être pressurisé, fait que notre évent peut être trop petit, et puis là, ça force le condensat ou le flash de sortir par l'évent. Toujours, il faut dire que le flash va prendre le chemin le plus facile. Si l'évent est trop petit, ben, il va prendre, s'il y a une pression dans l'évent, ben, il va chercher à la sortir par l'overflow. Là. Fait que ça, on voit ça souvent aussi, ça peut être ça aussi. Fait que souvent, les causes. Et puis, des fois, c'est des pompes qui... Ça peut être un bâtiment qui a plusieurs pompes dans le secteur. Puis, des fois, ils tombent dans un synchronisme qui décharge en même temps. Fait que des pompes retiennent le condensat momentanément, tout revient en même temps. Fait que ça peut causer des débordements. Et ça, c'est des types, des fois, des choses types qu'on voit là, pour le débordement sur un réservoir de condensat. Souvent aussi, il y a trop de flash aussi. Ça peut être la cause. Fait qu'on voit souvent la cause due à des événements qui peut être une des raisons des causes. Concernant le dégradeur, vérifier son efficacité, François, tu en as parlé aussi, c'est une question qui est revenue. Ben, faut faire vérifier de temps en temps ce dégradeur-là par des experts en produits, en traitement chimique. Souvent, c'est eux qui vont faire ça. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arrêter le traitement chimique, puis ils vont faire des tests d'eau là-dessus pour voir si le taux d'oxygène est rencontre de 7 ppb, ce qu'on parlait souvent. On peut voir aussi, lorsqu'on a un dégazeur, les gens, s'ils voient, ils font des tests, puis une efficacité, qu'est-ce qu'ils vont faire, essayer de faire, c'est d'augmenter la pression de vapeur. Souvent, je vois des dégazeurs, au lieu d'être 3 à 5 lits, comme tu dis, ils sont rendus à 15 lits, il faut essayer de compenser. Ça, c'est sûr que le dégazeur n'est vraiment pas efficace. Si on veut remarquer, souvent aussi, ils vont ouvrir l'orifice qui est sur dessus. La plume de vapeur n'est plus 2, 3, 4. 18 à 24 pouces, la plume est rendue peut-être à 2, 3, 4, 5 pieds. On voit à la sortie, ça c'est un autre indice que le dégazeur n'est pas efficace aussi. Fait que, faites le test, mais sur un dégazeur neutre aussi, tu l'as mentionné, François, c'est important de valider ce que le manufacturier vous a garanti. S'il a dit que le dégazeur a été capable de produire 7 ppb à l'achat, ben, faut qu'il le fasse en opération. Tu fais des tests, puis faites-vous garantir ça. Son efficacité lorsque vous en faites la chose. C'est très, très important. Pour ça, c'est un équipement que vous n'allez pas remplacer. Tant qu'il est là, ben, le dégazeur, il ne pourra pas sortir de là. Il est là pour très, très plusieurs années. Okay? Une autre question, je me dépêche un peu. C'est quoi la quantité de vapeur requise pour chauffer mon dégazeur? Une très bonne question. En fait, ce qu'il faut faire, c'est un bilan thermique. Entre l'eau fraîche, le condensat, la vapeur qui entre, puis le taux de vapeur qui va sortir aussi, puis la température qu'on veut maintenir à l'intérieur. Mais un petit résumé, une règle du pouce, ça dépend beaucoup de la quantité d'eau puis la température qu'on va entrer à l'intérieur. Donne un exemple, c'est pas les cas typiques, mais si je serais à 50 degrés Fahrenheit d'alimentation d'eau, mon dégazeur, ben je prendrais 16 % de la quantité de vapeur. Si j'ai 10 000 livres à l'heure fois 16 % ben ça fait 1 600 livres à l'heure de vapeur d'injecter là-dedans. À l'autre côté, si j'alimente de l'eau à 200 degrés Fahrenheit, ça va être 4 % de vapeur que j'ai besoin. C'est tout simplement un genre de petite règle de pouce que je donne. Si j'ai 150 degrés Fahrenheit d'eau d'entrée au dégradeur, ben c'est à peu près 8 % de vapeur qu'il faut à l'intérieur. Une petite règle de pouce là, qu'on va retrouver dans les catalogues de manufacturiers aussi. C'est quoi le taux de vapeur qu'on va évacuer par l'orifice aussi du dégazeur? Ben, généralement, c'est environ 1 %. On dit 0,5 à 1 %. Fait qu'on évacue approximativement 1 % du débit à travers de l'orifice. On se répète, là, visuellement, on va mettre une plume de 18 à 24 pouces de haut. Là, c'est à peu près visuellement là, ce qu'on regarde sur le toit, la hauteur de notre plume. Fait que c'est un peu ça. Et puis,
qu'est-ce qu'on voit aussi souvent, là, pourquoi que le dégazeur est vraiment instable, là, c'est souvent qu'on dérive de la pression ou de la température. C'est souvent ça les cas. Là. Fait que soit qu'on a un excès d'eau ou un manque de vapeur. Fait qu'on voit l'importance de plus en plus. Chez nous, on utilise beaucoup des valves de contrôle, des vrais valves de contrôle avec des valves pneumatiques là, avec des sondes, avec des I2P à l'intérieur pour s'assurer que notre flux de vapeur rencontre la quantité d'eau parce qu'on sait que ça réagit très, très rapidement à l'intérieur. Souvent, là, il y a des délais de temps qu'on perd vraiment l'efficacité des dégazeurs. Il faut vraiment que tout se suit ensemble. Dernière question. Il y en a qui me demandent mon réseau de condenseur, j'aimerais tout l'avoir, le faire. Quel matériel je vais le faire? Ben, c'est sûr qu'un dégazeur en machine oxydable, ça va être un peu trop dispendieux, mais si on parle d'un réseau de condenseur typique atmosphérique, si on peut le faire en acier inoxydable, tant mieux. C'est un peu plus cher, c'est sûr, mais la longueur de vie va être beaucoup plus grande là, si on peut se diriger là pour comme budget à l'intérieur. Et c'est un peu les questions que j'ai, François. Parfait, merci. Merci, Richard, d'avoir répondu à adresser les questions de tous nos gens qui étaient inscrits. Je pense que on prend l'occasion, Richard, de remercier tout le monde. On a des gens qui ont été présents tout l'automne pour au niveau de nos webinaires. Donc, merci d'avoir été présents en aussi grand nombre. Et puis, comme j'indiquais au début, n'hésitez pas à nous envoyer par courriel vos sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans des prochains webinaires. Ça va nous donner des idées également. Richard, on ne peut pas commencer ça bientôt de toute manière. Donc, c'est juste une petite pause qu'on va prendre, là, mais on va recommencer ça très bientôt. Après les fêtes, merci beaucoup. Messieurs et dames, puis on se revoit après les fêtes. On va produire d'autres webinaires sur toutes les applications. Merci beaucoup. Merci François. Merci. Bonne journée à tous.